Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Salomé s'entraîne en cuisine avant d'intégrer le master. De ce fait, Livio, Corentin Pelli, le nouveau chef qui va donner des cours dans le master, aide la jeune femme en cuisine. Pour rappel, le jeune homme vient de Sicile et est hébergé à la coloc avec Salomé, Ambre, Deva et Gaëtan. Lorsqu'elles ont fait sa connaissance, Ambre, Claire Romain, et Salomé avaient l'air d'être conquises par le charme de l'Italien. Une situation qui pourrait mettre les deux élèves en rivalité. Bien qu'elle fasse des efforts, Salomé est toujours rancunière après ce qu'Ambre a fait à Maxime, Clément Rémien, l'an dernier. Salomé refuse les avances de Livio dans Ici tout commence sur TF1. Pourtant, contre toute attente, Salomé n'est pas intéressée par Livio. Lors de la recette de cuisine, le chef italien lui fait des compliments alors qu'elle n'a pas encore fini. Salomé se dit ravie de la présence de Livio pour le master et met en avant la formation. Puis, il se montre un peu lourd en indiquant qu'il n'est pas venu ici pour se rendre compte que les Françaises sont bien meilleures que lui, en cuisine. Salomé soupire et explique faire le master pour trouver son identité culinaire et ne recherche rien d'autre. Livio s'excuse et lui assure que ce n'était pas de la drague. Il voulait juste complimenter la jeune femme. Salomé préfère enlever toute ambiguïté. Anaïs, Julie Sassoust, qui fait également partie du master, débarque au même moment dans la cuisine. Salomé fait les présentations avec Livio. Gêné, ce dernier prétexte qu'il manque de farine et s'en va en chercher. Salomé et Gaëtan en couple? Salomé avoue à Anaïs qu'il est pas mal et son ami a remarqué comment le chef la regarde. Mais, l'ex de Maxime est là pour s'entraîner pour le master et rien d'autre. En effet, depuis sa rupture tragique avec Swan, Salomé n'est peut-être pas encore prête à s'engager dans une relation contrairement à Ambre, célibataire depuis un moment. Par ailleurs, Gaëtan, Terence Stell, a eu un coup de cœur pour Salomé. Il ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de Livio à la coloc pour cette raison et va se montrer jaloux. Une relation entre Salomé et Gaëtan, deux personnages historiques de la série, semble inévitable. Dans une interview accordée à Télépoche, Aurélie Ponce, l'interprète de Salomé, déclare à propos d'un éventuel couple avec Gaëtan, au début, Salomé ne s'en rend pas compte car elle est un peu dans sa bulle. Ensuite, on verra. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.